Salut, j'espère que tu vas bien. On est à 2 jours de ma première vidéo que j'ai faite sur le front lever. J'ai regardé un peu mes erreurs en vidéo et j'ai regardé mes performances. J'ai pas été content de la deuxième partie, tu vois, la deuxième partie où j'étais sans élastique et je vais faire des tractions en front lever là. Jambes pliées. J'ai pas trop aimé cette partie-là parce que je suis resté 20 secondes, je pense. 17 secondes, 20 secondes et 15 secondes. J'ai même pas fait 30 secondes. Donc là, on va essayer de se surpasser, on va essayer de faire un meilleur temps et on va essayer de tenir un peu plus longtemps et un peu mieux contrôler le mouvement au front lever. Surtout sur la partie où je fais des tractions avec l'élastique. Là, on va essayer de ne pas utiliser le balancement de l'élastique. On va essayer de vraiment contrôler le mouvement et utiliser la force que j'ai dans les bras et dans le dos surtout. En parlant de dos, juste après, je fais mon training dos. Donc ça me fera un très bon échauffement avant d'attaquer le dos en musculation. Là, il faut aussi savoir que là, je suis énervé. J'ai envie de faire un bon mouvement. J'ai envie de faire une bonne séance de front lever. Ce front lever, j'ai vraiment envie de l'avoir en mars. Et je vais tout faire pour y arriver. Je vais vraiment tout faire. Et il se peut aussi que deux fois, tu vois, le soir, je suis là, je me mets en front lever, mais je le fais peut-être 20, 30 secondes. Je le fais un peu de fois dans ma chambre comme ça, mais là je filme pas, tu vois. Or que là je fais vraiment une séance de préparation au front lever, je fais une vraie séance, là je filme. Mais je m'entraîne aussi en off. On va commencer avec le premier exercice. Le premier exercice où on fait le front lever avec la corde et on va essayer de tenir 30 secondes. Allez. Le truc c'est de bien serrer ses omoplates et de rester droit. Et aussi j'ai vu qu'il fallait mettre ses pieds en pointe. Voilà, comme ça. Enfin, moi je vois pas, mais je pense que c'est en pointe. Apparemment, pour l'aider à l'avoir plus rapidement. Là on doit être bon là. Là on doit être bon. Là c'est 30 secondes, ça va, mais moi je viens de passer à 1 minute là. Je viens de passer à 1 minute. Mais faut que je m'entraîne en 30 secondes avant de faire la minute. C'est que la deuxième session. Mais moi je pense déjà à la progression. Je peux pas rester avec un niveau faible. Allez. Oh. Oh. Ah, c'est dur. C'est dur, mais ça va. En fait, c'est vraiment une question de mental. C'est vraiment une question de mental. Il faut pas oublier qu'après, il y a d'autres exercices. Ah, c'est ça le plus dur. C'est les autres exercices. Dernière série. Moi j'aime bien travailler sous 3 séries d'exercices parce que après j'ai la salle de sport et j'ai pas envie de trop me buter non plus. J'ai pas envie de trop m'épuiser. J'ai juste envie que mon corps il mémorise le mouvement. Il mémorise pour cette phase 1. Parce que quand tu apprends un mouvement, faut savoir que ton corps le soir il le répète. Quand tu dors, quand tu es en repos, bah, ton corps il garde en mémoire ce que tu as fait. C'est ça qui m'a appris à avoir certains mouvements au breakdance. La répétition. Ouh.
Ouais, là je commence à avoir mal. Et exercice suivant, là on va passer directement au front lever et traction. Directement, traction front lever. On va essayer de bien contrôler le mouvement. Mon objectif c'est d'en faire 8 propres. Si je peux en faire 10, j'en fais 10. Mais on va vraiment essayer de contrôler le mouvement, c'est important. On va pas utiliser le balancement de la corde comme le premier épisode. On va vraiment faire les choses bien. Faire les choses le plus proprement possible. Si je peux en faire que 6, j'en fais 6, c'est pas grave. C'est pas grave si on échoue. Le plus important, c'est de faire les choses proprement et de vraiment travailler le mouvement. Allez. Oh. Oh, par contre, faut vraiment que je travaille ma souplesse des jambes parce que ah, c'est chaud. Allez. On va juste rapprocher un peu plus les mains. Hop. La sensation elle est belle parce qu'elle est nouvelle. C'est une nouvelle sensation que j'ai jamais eue. Mais ça fait mal. Mais ça va. Ça va. Après, je sais pas si c'est propre. Je vais regarder en retour. Mais on va continuer comme ça. Je suis sur la bonne voie. Bon, j'adore le retour. C'était pas trop mal. Je suis assez content de la maîtrise que j'ai du mouvement. Sauf que voilà, il y a un petit balancé un peu. Enfin, dans le sens que je suis pas droit. Voilà. J'ai vu que j'étais pas droit. Mais c'est pas grave. On est quand même sur la bonne voie. J'arrive à bien, on va dire, maîtriser mon corps dans ce mouvement. J'en ai fait 10. Donc, on change les objectifs. On reste sur 10, que ce soit propre ou pas propre. Pas de 6, pas de 8. On va sur 10 parce que j'ai fait 10 pour la première fois. Allez. Allez, 10. En plus, toi, de la manière que je exécute ce mouvement, je fais en sorte de rester une petite seconde en haut, histoire que le mouvement soit un peu plus dur. Je fais pas juste une traction simple et je me laisse tomber. J'essaye de contrôler au maximum mon corps pour que mon corps s'habitue le plus vite possible, le plus rapidement au front lever. C'est plus dur, mais c'est ce qu'il y a de bon. Allez, là, c'est la dernière. La dernière, on front lever traction. Allez.
Allez. Allez. 10. 10. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Allez. 7. 8. 9. J'ai trop mal au triceps. Putain. Je sais pas si c'est parce que je les ai bossés hier, mais j'ai mal de ouf. Oh. Je réussirai ce putain de mouvement. Je sais que je le réussirai. C'est une question de temps. Dernier exercice, on va prendre celui que j'avais le moins réussi pour le mettre en dernier, parce que le dernier, c'est là où j'ai moins de force. C'est là où je vais plus souffrir. Et je les mets en dernier pour me surpasser. Parce que c'est là où j'ai pas réussi à faire 30 secondes. C'est là où j'ai vraiment fait des répétitions, enfin une performance médiocre. Et j'ai vraiment envie de m'améliorer. Donc, j'étais pas content de moi en voyant la vidéo. Mais je l'ai quand même posté. Et là, j'ai vraiment envie de me surpasser et faire mieux. Si je fais pas mieux, on fera mieux le jour d'après. Puis le jour d'après, et on verra. Mais faut faire mieux. Allez. Donc, même mouvement, hein. On se tient en équilibre, pas d'élastique pour nous aider, et on tient. Ça là, c'est un mouvement de merde. Oh, j'aime pas ce mouvement. Mais on va le bosser. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que mon sac, il est là. Après, je pars à la salle. J'ai ma séance d'eau qui m'attend. Mais ma séance d'eau, je m'en tape. J'ai juste envie de faire des bonnes perfs. Pas envie de faire la perf de merde que j'ai fait au premier épisode. J'ai pas envie de ça. Et je vais me prouver que je peux faire les choses bien. Je peux. C'est juste une question de volonté. C'est une question d'envie. Le premier épisode, j'avais pas envie. Là, je vais montrer que j'ai envie. Allez. Mes abdos ils me font mal, mais vraiment, ils me font vraiment mal. Oh. Allez, là c'est la dernière. Les deux séries, que j'ai faites tout à l'heure, je sais que mon temps est beaucoup mieux que le premier jour.
Là, l'idée, c'est vraiment de faire 3 bonnes séries au maximum de mes capacités. Me brûler au maximum. Comme ça, je peux aller à la salle en étant serein. Sans avoir aucun remords. Sans avoir aucune haine et aucune rancune. Tu vois, je peux aller à la salle en étant fier de mes performances. Allez. Dernière, après je suis libéré de ça là. Là je suis fait. C'est bon. Je suis bien échauffé pour aller à la salle. En plus j'ai de la chance, la salle est à côté de chez moi. Mais bon, là il est 20h, tu vois, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et la salle, comme elle est dans un centre commercial, elle ferme à 22h. Donc je dois me dépêcher. Bon, sur ce, moi je te laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce programme. Et merci de me suivre dans cette aventure pour le front lever. Je t'ai dit, ce mouvement, on va réussir à l'avoir. On va le perfectionner, on va l'apprendre, on va le tabasser. Et en mars, on le sortira. J'en suis sûr. Si je me donne à fond, si je fais les choses bien, si ma diète et tout suit, parce que oui, je pense qu'il faut aussi bien manger pour faire ça, parce qu'il faut rester gainé, faut être bien, faut pas manger de la merde. Donc, je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Et je ferai plusieurs épisodes jusqu'à que je l'aie, ce front lever. Moi, je te dis à la prochaine pour la suite.